Là, pour le moment, c'est officieux. Non, non. La nouvelle tombe. Entre la liquidation pure et simple et la reprise de 75 salariés sur 142, le tribunal de commerce a donc choisi la voie de la poursuite pour VXL. Ça va soulager quelques personnes, je pense, de savoir qu'on est repris. Beaucoup de questions pour certaines personnes. Donc maintenant, est-ce que Éric Trouillet va jouer le jeu en prenant vraiment les 75 personnes qu'il a annoncées? Et comment ça va se passer pour eux aussi? Depuis 1957, VXL s'est fait un nom en fabriquant des véhicules de transport de fonds, des minibus, des cars scolaires. Mais sa santé financière fragile n'a pas résisté au va-et-vient des commandes publiques. Les ouvriers sont abattus. On a vu la situation se dégrader petit à petit. On s'en doutait qu'on en arrivait, on allait en arriver là. En fait, ce moment-là, on s'y attendait. Le repreneur n'est autre que le frère du PDG actuel. Éric Trouillet, à la tête de 27 sociétés liées à la carrosserie industrielle, reprend pour 3 euros ce que ses parents ont construit. Certains y voient un signe d'attachement, d'autres une OPA familiale. Le problème pour nous, les salariés, c'est que ça reste dans la même famille, quoi. Donc on a perdu confiance en notre patron. Son frère ne va pas nous redonner la confiance, quoi. Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 40 millions d'euros, sur le papier, VXL peut vivre. Mais il fallait de l'argent frais pour attendre les véhicules de transport de demain au gaz ou à l'électrique et répondre ainsi aux commanditaires qui ne veulent plus d'énergie fossile.